Regardez-moi tout ça. Ce sont des poils. J'ai bien plus qu'un poil dans la main. Hein. Oh, il en existe des longs, des moyens, des courts, des frisés. Oh, et puis de toutes les couleurs. Hein. On en trouve du grisonnant, du blond, du brun et même du noir. C'est que ça pousse les poils. Hein. J'en ai même au menton, dit dedans. Hein. Oh, si je les coupais, ça ferait encore plus de poils pour mettre là-dedans. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de tous ces poils? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous allons poser des poils. Avec des machines à floquer, avec des lotions. Oh, histoire de bien se poiler. Mais j'espère que le professeur William sait de bons poils, hein. Car il est grand temps maintenant de découvrir les secrets de Mordicus. Allez, plus un poil à perdre, direction le secret de Mordicus. Oh, les poils, les poils. Oh, Bonimus, oh, que t'es joli, toi. Oui, nous allons voir les poils aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, Bonimus? Professeur Williams, vous êtes là-haut? C'est quoi cette échelle, là, que vous avez mis là? Henri! Ah, Henri! Oh, mon Dieu! Henri! Je suis au poil. Docteur Mordicus! Mais il est où, Docteur Mordicus? Encore, il fait la... C'est quoi cette échelle? Ah, j'ai oublié de l'enlever, mais... Ben vous en mettez au poil, non? Mais l'émission va commencer, là, vous faites quoi? Je sais bien que l'émission va commencer, mais il y avait votre échelle, là, qui me gênait. Qu'est-ce qu'elle faisait, là, votre échelle aussi, hein? Oui, une échelle, là, je m'en occupe, là. Dites-moi, vous êtes passé à un poil de votre beurre d'expérience. Ça aurait pu vous faire mal. Oui, bon... Dites-moi, reprenez du poil de la bête, il y a nos abonnés qui nous attendent. Oui, 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 d'ailleurs, je voulais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai inventé cette semaine. J'ai planché toute la semaine sur quoi? Sur une lotion. Regardez-moi ça. La lotion qui fait pousser les poils et les cheveux. Ça va vous défriser la moustache. Mais attendez, mais j'y crois pas une minute à votre truc, là. C'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous prouver que cette lotion, ben, pouf, va apparaître les poils. On a qu'à tester sur un cobaye, oui, un cobaye. Il y en a plus, il y en a plus. Mais si, il doit bien y en avoir encore, attendez. Que je réfléchisse. Non, non, il a été découpé. Elle est gelée. Non, il n'y en a plus. Non, non, ici, ici, ici. Oh, Bernard. Non, Nestor. Oh, Ernest. Ernest, où es-tu? Ernest. Crache-tête, viens là. Ernest, Ernest, Ernest. Oui, Ernest, tu vas goûter ma petite lotion capillaire. Tu vas goûter ceci. Magnifique lotion capillaire. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Miam. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. 3, 2, 1, 4, 5. Il se passe rien. Il se passe rien. Allez-y. Allez-y, vous, peut-être ça marche sur d'autres. Ça pousse pas. Mais qu'est-ce que c'est donc, cette potion? Pourtant, j'ai bien réfléchi cette nuit. En ajoutant tous les ingrédients, je devrais avoir des poils. Ça passe rien. Oh, ça a marché. Regardez, on a des poils. Oh, ma potion marche. C'est dingue. Regardez, orange comme ces poils. Et, ah ben non. Bah ça doit dépendre des paramètres, des chromosomes de chacun. Oh, bien sûr, vous vous demandez, comment peut-on faire pousser des poils? C'est vrai, quoi. Comment rajouter des poils sur le caillou? Alors, bien sûr, cette lotion n'existe pas encore sur le marché. Mais par contre, il existe bien d'autres moyens. Regardez. Oh, regardez-moi vous. Regardez vos cheveux. Oh, qu'est-ce que... alors, c'est encore pire. Oh, bah oui, c'est vrai. Oh. Je crois qu'on a abusé un peu trop de notre potion magique. Beaucoup trop, beaucoup trop. Mardikoff, parce que je ne vois rien. Là. Bon, allez. Revenons à ce qui nous intéresse. Les poils, les postiches. Et oui, sur le marché, vous allez trouver différentes sortes de postiches. Des barbes, des boucles, des poils très longs, des poils très courts, tout ce que vous voulez. Alors, regardons de plus près. Regardez déjà celle-ci. Vous avez donc des fausses moustaches. Alors des moustaches, il en existe de différentes tailles, différentes longueurs, différentes couleurs. Du brun, du blond, du gris, etc. De même pour vos barbes. Regardez les barbes. Bouh, une barbe comme celle-ci. Ouh, une barbe un peu plus longue. Oh, pareil, regardez-moi celle-ci. Toute bizarre. Et hop, c'est parti. Complètement déjantée celle-là. Complètement déjantée, oui. On trouve des favoris aussi. Alors, bien sûr, si on regarde de plus près tout ceci, eh ben qu'est-ce qu'on voit?
On voit quoi? On voit un tulle. Et oui, tous ces poils sont implantés sur un tulle. Donc, suffit de prendre quoi? De la colle à postiche, votre fausse barbe, et ensuite, vous pouvez la coller. Alors, ce que je vous propose, c'est bien sûr de tester. Ernest nous a trouvé un bon cobaye pour aujourd'hui. Appelons Ernest et posons donc cette fausse moustache et fausse barbe. Alors, comment s'appelle-t-il? On va regarder Mordicus et plutôt comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Qui? Ah! C'est une fille, c'est une demoiselle! Mais vous avez quoi dans la tête, Ernest? Aujourd'hui, on fait les poils, les moustaches, pou, et vous m'amenez quoi, vous m'amenez une demoiselle? J'ai rien contre, hein. Encore si c'était du moulage, on aurait pu mouler autre chose, mais les poils, non, mais ça va pas! Bah tant pis, hein. On va faire une femme à barbe aujourd'hui. Regardez la démonstration! Vous êtes là? Eh ben regardez, on va coller la postiche sur notre cobaye du jour, Émilie, ici présente. Elle s'est rasée, elle a la peau toute douce. Oh, ça va bien adhérer sur ma colle que je vais mettre. Oh, en parlant de colle, je vous ai pas parlé, mais il existe différentes sortes de colles sur le marché pour coller vos poils, vos postiches et vos fausses barbes. Oh oui, la plus répandue c'est quoi? C'est celle qu'on appelle la Mastix, regardez. De couleur orange. C'est une colle très très répandue. Elle colle extrêmement bien, mais attention, elle brille une fois sèche. Et si jamais vous êtes trop sensible, il existe des colles à l'eau. Mastix à l'eau, de couleur transparente, mais ça colle nettement moins bien. Des colles à l'eau. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez donc cette colle qui se trouve ici. La Pro-Z. Ça, c'est une colle d'origine médicale. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle tient extrêmement bien. C'est une colle extra forte, de couleur blanchâtre. Et là, vous êtes sûr que... ça tient. Ça, c'est très très bien. Enfin, une dernière colle, la Mastix Matte. Et oui, parce que je vous ai dit, la Mastix brille une fois sèche. Et donc, côté réaliste, c'est pas tout à fait ça. Donc, quelquefois, vous pouvez utiliser cette colle qui se trouve ici. Une colle qui, une fois sèche, disparaît côté matte. Voilà, voici à peu près toutes les colles. Donc, maintenant, nous sommes fin prêts pour coller la barbe. Alors, je choisis un modèle de barbe. Regardez de couleur de ses cheveux. Et nous allons donc la poser. Regardez. C'est vachement fort votre truc. Ah mais ça colle votre truc. Allez, c'est parti, mon kiki. On commence par délicatement poser de la colle le long du tulle, de partout. Tac, tac, tac. Pareil, de l'autre côté. En mettant pas trop non plus parce que ça va passer à travers. Ça pourrait poser quelques soucis de pose par la suite. Une fois que vous avez bien mis votre couche, vous allez souffler dessus. Voilà. On la retourne bien délicatement. Attention, on n'a pas le droit à l'erreur. On regarde pour que ça va se poser. Et on vient la mettre délicatement. Alors, l'inconvénient avec la Mastix, c'est que c'est une colle qui va mettre un certain temps pour sécher. Vous tenez comme ceci quelques minutes. Et après, rien ne vous empêche de remettre un peu de colle à certains endroits si vous voyez que ça tient un petit peu mal. Mais votre postiche sera enfin en prête en place. Et comme je disais, si vous trouvez que le côté brillant est un petit peu gênant, prenez de la colle plutôt mate. Et voilà. Non mais c'est fini de boire dans mes verres là, non mais oh, voilà ce que c'est de laisser traîner des verres. Oh, j'y crois pas. Alors, oui, nous allons voir les machines à poils. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une machine à poils? Comme d'hab, c'est comment ça marche, c'est quoi? Regardez, voici donc une machine à poils. Ça marche comment? Vous avez ici donc des piles, vous allez mettre donc trois piles. Tac, tac, et tac. Avec un petit embout. Pourquoi je mets des piles? Tout simplement parce qu'en bout, vous avez donc un câble. Et je vais demander au cobaye de tenir ce câble. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je vais lui envoyer un courant électrique. Et oui, je lui envoie un petit courant électrique qui me permet de poiler cette zone qui se trouve ici. Et tous les poils, grâce à l'électricité statique, vont se dresser droit. Tac, 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 tac. Et pour ça, j'utilise donc du flocage. Il existe différentes sortes de flocage, du long, du court. En moyenne, on a quoi? Du 5 mm à du 1 cm de différentes couleurs. Je le mets donc en bout de ma machine à floquer. Alors pareil, il existe différentes sortes d'embouts, comme vous voyez ici. Et une fois que vous avez mis vos poils, vous fermez, tac. Et vous avez plus qu'à attaquer. Faites vraiment avaler n'importe quoi aux gens. Mais non, mais non, 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 mais non. Alors bien sûr, pour que les poils se tiennent, il va falloir utiliser de la colle à postiche. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser de la Pro-Z. C'est parti. Allez, allez, on y go. Démonstration. Regardez-moi tout ça.
Eh bien, justement, il n'y a rien à voir pour l'instant, parce qu'on va rajouter des poils. Alors, sur cette douce main... c'est doux. Je vais rajouter donc ma colle Pro-Z. Alors. Tout doucement de la colle. Bon, j'ai mis la couche, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Mais... Donc, vous en mettez bien pour que les poils adhèrent bien. Surtout qu'ils adhèrent que sur une extrémité. Voilà, donc ma colle est maintenant bien étalée. Top. Et je prends ma machine à poils. Alors, en embout, j'ai mis des poils de couleur brune. Je vais en remettre un tout petit peu davantage. Et voilà. Ensuite, je ferme l'embout. Vous demandez bien sûr à votre cobaye de tenir l'extrémité de la machine, car le courant électrique va enfin passer. Oh, je crois que je vais avoir un coup de foudre. Allez, vous mettez la machine en marche de ce côté-là, tac, tac, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Et c'est parti. Regardez bien, car c'est très rapide. Deuxième couche. Je vais rajouter un petit peu de brun. Allez, on est parti pour une deuxième couche. Et dernière couche. Nous allons mettre un peu de noir dans tout ça. Et voilà. Elle est belle à croquer, non? Alors, ce qu'il vous faut, l'étape suivante va être simplement de brosser nos poils. Regardez le résultat. De magnifiques beaux poils. Implantés les uns dans les autres, c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'une main de louve et d'une femme à barbe. Et... détail, si jamais elle met les mains dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben les poils ne vont pas partir. Eh non, les poils vont rester car la Pro-Z est une colle forte, ne l'oubliez pas. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben les poils vont s'aplatir comme un chien humide sortant de l'eau. Ouaf, ouaf. Oh, la photo! Si vous voulez gagner la photo, n'oubliez pas, hein, 10 abonnés égale la photo. Par contre, Bordicus, c'est bien joli tout ça, mais comment on enlève ça? Oh, oh ben oui. Ah ben oui, oui, il faut bien se demander. Phase épilation, c'est parti. Oh, la phase épilation, la partie la plus délicate du maquillage. Comment faire? Oh, il existe bien de nombreuses façons de s'enlever les poils, hein. Voyons voir ça. Première méthode. On utilise quoi? On utilise le scotch. Regardez, un morceau de scotch. Et vous allez voir, ça part d'un coup sec. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, ça c'était la première étape. Maintenant, voyons voir la deuxième méthode épilatoire avec mon annihilateur électronique. Suffit de faire le bon réglage et regardez la démonstration. Plus de poils, c'est parti. Bordicus. Oui. non, pas sur moi, pas sur moi, je connais le résultat. Ernest. Oh oui, Ernest, bouge pas. Quoi? C'est un pistolet à poil, hein. Vous l'avez mis sur le même réglage, regardez. Mais c'est pas grave, il y a... Oh, la troisième étape. En utilisant quoi? Les dissolvants à colle. Eh oui, toutes les colles que nous avons vues ont un dissolvant bien spécifique à eux. Le Mastix, par exemple, utilise un dissolvant qui s'appelle le MME. La Pro-Z utilise quoi comme dissolvant? Eh ben, ceci. Soit du Pro-Z Remover de la marque Pro-Z, soit carrément ce qu'on appelle le Bond-Off. Ces deux dissolvants permettent de vous enlever la colle. Vous me croyez pas? Regardez la démonstration. Émilie, à table, viens donc ici. C'est parti. Alors, suffit de bien vaporiser. Tac, 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 tac. Alors, mettez la dose, hein. Et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enlever. Et sa main va de redevenir un peu comme avant. Voilà, c'est parti, parfait. Ah bah, j'ai pas fini, hein, mais vous en remettez, et vous enlevez. Sans dissolvant, vous n'avez aucun moyen d'enlever tous ces poils.
Non, mais j'y pense. Il y a une autre technique aussi qu'on pourrait faire. La technique par épilation électrique. Et si on essayait? D'accord? Oh, oui, oui, allez, d'accord, on y va. Quelques petits poils rebelles. T'inquiète pas, Émilie. Oh, dans moins de 5 minutes, plus de poils, fais-moi confiance. Parole de Mordicus. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, tac. Oh oui, oh oui, oh oui, je vois les poils partir. C'est magnifique. Alors, nous recherchons un cobaye pour le prochain podcast. N'hésitez pas à laisser vos candidatures sur Facebook, hein, FXSP. Et de nous suivre, bien sûr, sur notre chaîne YouTube.